candidat du Parti social-démocrate à l'élection présidentielle du 26 août 2023 au Gabon. Pierre Clavé Maganga Moussavou est une figure clé de l'opposition gabonaise. Candidat malheureux au scrutin de 1993, de 1998, de 2009 et de 2016, Pierre Clavé Moussavou se présente pour la cinquième fois à l'élection présidentielle au Gabon. Les aspirations du leader du Parti social-démocrate restent les mêmes. Il milite pour un système déconcentré et décentralisé en faveur des provinces et des jeunes Gabonais. Quel que soit mon positionnement, ce qui m'emmène à intervenir, c'est la recherche de vraies assises de la démocratie dans notre pays. Ancien ministre, député, maire de Mula et vice-président du Gabon de 2017 à 2019, Pierre Clavé Moussavou a été l'un des personnages clés de l'exécutif gabonais avant de retourner dans l'opposition au sein du Parti social-démocrate, formation qu'il a fondée en 1990. Le 1er août 2023, l'homme politique de 71 ans, déclarant une candidature indépendante, a quitté la coalition de l'opposition Alternance 2023. Créée en janvier 2023, la coalition devait présenter une candidature unique de l'opposition face au président Ali Bongo en vue du scrutin du 26 août. Pierre Clavé Moussavou a justifié sa décision par des divergences d'idées et le manque d'esprit de consensus au sein de l'opposition. Nous allons redonner vie et sens par la provincialisation au gouverneur, au préfet, et nous allons surtout faire qu'il y ait des pôles de développement. On va créer ce qu'on appelle le revenu universel minimum de solidarité de 27 000 francs pour tous les Gabonais. Pierre Clavé Maganga Moussavou a été démis de ses fonctions de vice-président de la République du Gabon par décret présidentiel en mai 2019. Élu maire du 2e arrondissement de Mula, sa ville d'origine en 2006, il avait également été démis de ses fonctions un an plus tard. La loi gabonaise interdisant aux parlementaires en exercice d'agir en tant que représentants politiques locaux. S'il est élu à la tête du Gabon, l'opposant entend surtout améliorer la formation des jeunes Gabonais, gage pour lui de leur bien-être et du développement du pays.